Bonjour à tous, c'est RGT, j'espère que vous allez bien de ma personnalité. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais tester la 5G sur le premier iPhone 12. Avant de commencer la vidéo, si la vidéo va te plaire, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Pourquoi les opérateurs mobiles ont lancé la 5G? C'est tout simplement pour éviter que trop de personnes se connectent au même réseau 4G et ensuite ça bloque tout le monde. Et la 5G est donc là pour éviter ce genre de problème. L'opérateur mobile utilisé dans cette vidéo, ça sera Salt pour faire son test de la 5G. Les différents data qui existaient avant sur les forfaits mobiles, c'était en premier, il y avait le Edge, ensuite la 3G, ensuite la H+, ensuite la 4G, et pour finir la 4G+, et la nouvelle version, c'est la 5G, qui est la nouvelle version. La 5G est presque disponible partout en Suisse, aussi en France, sauf en France, donc quelques grandes villes comme Paris, Nice, Marseille, etc. Vous aurez toutes les villes compatibles sur le site Orange. La fréquence de la 5G est à 3,5 GHz, c'est-à-dire qu'elle est 3 à 4 fois plus rapide que la 4G normale. Seulement les fréquences de 3,5 GHz permettent une puissance maximale. Aujourd'hui, tous les opérateurs suisses et français, comme par exemple Orange pour les Français et Salt en Suisse, il y en a plusieurs, essayent de développer la 5G partout dans leur pays. Donc maintenant, on va faire le test et je retrouve dehors. Donc là, on est dehors pour faire le test de la comparaison de mégabits par seconde avec la 5G. Et la 4G, du coup, vous allez avoir les deux écrans affichés sur la vidéo. Donc là, c'est parti pour le deuxième test qui va te charger le plus rapidement possible un jeu qui pèse entre 242,1 MHz. C'est pas énorme, mais on va voir qui ira le plus vite entre la 4G et la 5G. Donc c'est parti. Le dernier test, c'est de télécharger un film sur Netflix et donc on va voir combien de temps ça va prendre. Donc c'est parti. Bien sûr, vous aurez la 4G à côté.
voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai bien aimé la faire parce que j'ai testé cette 5G et donc j'ai pu voir cette performance. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner si c'est apprécié. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'était RGTech.